Aujourd'hui, suite à la vidéo précédente que j'avais fait où je vous avais proposé mon aide en cas de besoin, j'ai reçu une demande. Donc si vous voulez, si je peux vous aider, n'hésitez pas, hein, sous la vidéo, vous postez vos questions et je vous répondrai via une vidéo parce que les questions que vous posez peuvent intéresser tout le monde. Donc là, c'est comment faire monter ses énergies. Alors, à mon sens, j'ai trois façons de les faire monter, mes énergies. La première déjà, la plus importante, c'est de ne plus s'attacher à tout ce qui est journaux, mauvaises nouvelles. Tout ce qui vous apporte des mauvaises nouvelles, vous oubliez. Les personnes qui ne sont pas en accord avec vous, ben, gentiment, dit, ben, écoute, t'as ta façon de penser, moi j'ai la mienne, c'est comme ça, c'est pas autrement, voilà, j'ai décidé que... Donc déjà, vous éloignez de tout ce qui peut vous perturber, vous mettre à mal avec vous-même. C'est-à-dire, vous avez pris la décision de faire quelque chose et vous, bah, vous refusez, vous n'acceptez pas que l'on aille à contresens. Donc, dans l'amour et dans l'empathie, vous dites, bah, écoute... Moi, je pense comme ça. Ça ne nous empêche pas d'être amis, mais moi, je pense comme ça. Voilà, et je refuse que tu viennes me polluer mon espace. Point final. Si vous le dites avec le cœur et avec l'amour, la personne le comprendra. Si elle ne le comprendra pas, tant pis, c'est pas votre problème. Alors déjà, vous éloignez complètement de tout ce qui peut être négatif. Hein. Parce que tout ce qui est négatif plombe et tout ce qui plombe forcément vous empêche de monter les énergies, c'est logique. Donc vous élevez tout ce qui est négatif. La deuxième chose, bah, c'est le contraire, c'est vous accrocher au positif, c'est-à-dire regarder les belles choses, parce que derrière toute mauvaise chose, c'est l'histoire de la dualité en fait. Vous avez le yin et vous avez le yang. Le problème, c'est alors, c'est pas un problème en fait, au final, c'est que derrière chaque mauvaise chose, vous en avez une bonne. Et donc, au lieu de vous accrocher à la première qu'on vous montre qui n'est pas bonne, eh ben, accrochez-vous plutôt à celle de derrière qui vous dit, ben non, ben, au final, eh ben, y a ça aussi. Et le ça aussi, ça peut aider. Et il y a de belles choses, je ne sais pas, si vous avez des fleurs chez vous, prenez soin d'elles, arrosez-les, parlez-leur, vous pouvez leur parler, tout ce qui est en rapport avec la nature, tout ce qui est en rapport avec les animaux, surtout, beaucoup. N'hésitez pas, hein, quitte à passer pour une illuminée, une folle dingue, peu importe, restez en contact avec la nature d'une façon ou d'une autre. Ça, c'est vraiment très important pour faire monter les énergies, parce que forcément, quand vous faites monter vos énergies, que vous êtes dans la joie et dans le bonheur, parce que quand vous faites monter vos énergies, vous le ressentez au fond de vous, vous vous sentez mieux, vous vous sentez plus léger, vous vous sentez waouh, bien. Ça déjà, avec ces deux choses que je vous ai dites, éliminez le négatif et accrochez-vous au positif, à tout ce qui est bon. Alors, par exemple, admettons, je ne sais pas moi, j'ai pas de... J'ai pas de... Mais si, tout à fait. Tiens, là, le confinement. Ben, le confinement. On est confiné, ok. Alors, il y en a qui vont se dire, ouais, mais c'est la galère, je peux pas sortir, c'est l'angoisse, je suis pas bien chez moi, patati, patata. Ben, le bon côté, c'est justement, ben, profites-en pour prendre soin de toi, profites-en pour être avec toi, profites-en pour faire des choses qui te plaisent, profites-en pour faire des choses que tu ne pouvais pas faire avant et que maintenant tu as tout le temps pour les faire. Ça, c'est aussi une chose qui fait monter les énergies, parce qu'à partir du moment où vous vous faites plaisir à vous, où vous vous sentez bien dans votre cœur, forcément vos énergies remontent, parce que vous êtes dans le bien-être, dans le... Voilà, vous vous sentez bien. Donc, les énergies remontent, c'est incontestable, c'est prouvé de toute façon, donc j'invente rien. Beaucoup de scientifiques l'ont prouvé et ils ont montré que quand on était dans le
dans la joie, dans l'amour, dans le bonheur, et que tout le reste, bah, quitte à paraître un peu égoïste, mais que tout le reste, on s'en fout, et que de ce que pensent les autres, on s'en fout, et qu'on s'en tient à ce que nous, on ressent, et qu'on suit notre cœur. Ça a été prouvé, alors je ne sais pas, je n'irai pas vous donner le nom des spécialistes, ni des experts, ni quoi que ce soit, parce que je ne les connais pas. Je sais que ça a été fait. Par diverses informations, je sais que ça a été fait. Et au niveau du cerveau, on voit qu'il y a un changement très net quand vous êtes quand vous êtes plombé par tout ce qui est négatif, par la peur, etc. Et quand vous revenez et que, au contraire, vous faites attention et vous attirez sur vous le bonheur, la joie, le contact avec la nature, les méditations peuvent beaucoup aider aussi à faire monter les énergies, surtout quand on démarre, quand on début. Là, en ce moment, il y a beaucoup de gens qui cherchent à être aidés justement pour faire ça, c'est un début, hein, faire monter les énergies. Donc, il y a beaucoup de gens qui cherchent à savoir comment on peut faire. Et ben voilà, alors ça fait déjà deux solutions. J'ai gardé la plus amusante en fait pour la fin. Donc une fois que vous avez éliminé tout le négatif, c'est-à-dire tout ce qui vous plombe, hein, tout ce qui vous plombe, tout ce qui vous met mal à l'aise, tout ce qui ne, tout au final qui ne résonne pas avec votre cœur, vous éliminez. À côté de ça, attachez-vous à tout ce qui résonne avec votre cœur, hein, que ce soit faire le jardin, que ce soit même si vous êtes en appartement, comme je vous ai dit dans une de mes précédentes vidéos, personne ne vous empêche de cultiver des fleurs ou de cultiver des fleurs ou des pots de tomates grimpantes, ou peu importe, vous pouvez être en contact avec la nature. C'est bien sûr que c'est moins évident que d'être en forêt ou que d'être à la campagne, c'est un fait, mais c'est possible. Et puis, vous pouvez vous occuper de vous avez plein de choses. Vous avez des dessins pour ceux qui ont et de la musique pour ceux qui ont un côté artistique qu'ils aimeraient développer. Ben, c'est le moment, le dessin, le côté artistique, l'écriture. Il y a plein de choses que vous pouvez développer pendant tout ce confinement qui est là pour vous faire du bien et pour faire monter justement vos énergies. Moi, ma troisième solution à moi, et qui marche, mais alors à 100% et à chaque fois, et ça ne loupe pas, c'est quand je vois que là, ce que je viens de vous dire, les deux, ouais, c'est bien, mais bon, eh ben, qu'est-ce que je fais? Je mets de la musique. Je mets de la musique, mais de la musique qui bouge, de la musique qui vous fait bouger le corps. Parce qu'en fait, vous avez besoin de vous nettoyer. Votre corps a besoin d'être nettoyé. Et si vous n'êtes pas chaman, parce que les chamans le font d'eux-mêmes, et ça j'apprécie énormément, mais bon, c'est vrai que tout le monde ne supporte pas. Moi, la première, je ne supporte pas le bruit des tambours, parce qu'au bout d'un moment, ça me déclare des migraines, enfin des maux de tête, et qui se transforment en migraines. Donc, le tambour des chamans, ça va bien un moment, et puis après, je ne peux plus. Par contre, je prends de la musique qui fait bouger. Voilà, qui fait bouger le corps, qui donne envie de danser, qui donne envie de se bouger le corps. Après, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est les musiques indiennes. Et les flûtes de pan, les musiques comme ça qui font que c'est très poétique dans l'âme, c'est très poétique, c'est très mélodieux. Et quand c'est mélodieux et que ça touche votre cœur, et ben ça vous fait monter les énergies. Alors en fait, si j'ai un résumé à faire, c'est tout ce qui touche votre cœur, tout ce qui vous parle, tout ce qui est en amour, tout ce qui met votre cœur en joie. Vous le sentez à l'intérieur quand vous êtes heureux. Regardez, quand vous êtes avec un enfant, vous prenez un bébé dans les bras et que vous êtes heureux. Voilà, vous prenez ce bébé dans les bras et tout de suite vous avez. Vous êtes envahi par une vague d'amour qui ne s'explique pas. Et ben cette vague d'amour fait monter les énergies. Quand vous montez les énergies, et ben forcément vous êtes en raccord avec la nature. Et quand vous êtes en raccord avec la nature, ben, la nature, la Terre en ce moment est en train de monter en vibration automatiquement. Vous montez en vibration avec elle. Voilà votre travail à vous finalement.
Bon, après, plus tard, on pourra voir comment monter en vibration, mais là, pour l'instant, la question, c'était comment faire monter mes énergies. Ben, voilà trois petites astuces que j'ai, moi, pour faire monter mes énergies. Et la troisième, vous pouvez très bien commencer par la troisième. Enfin, éliminer déjà tout ce qui est négatif. En fait, les trois sont bonnes. Les trois sont bonnes. Ça dépend de celle qui parlera le plus à votre cœur. Moi, les trois me parlent. J'utilise les trois. Et régulièrement, là, avec le confinement, j'utilise surtout la troisième. Parce que la troisième me met vraiment le cœur en joie. Chanter, bouger, m'activer, c'est vraiment quelque chose qui me fait du bien. Et je le sens parce qu'après. Même la famille, elle le sent. Mon mari, les enfants, ils me disent, ça y est, elle a pété un câble, c'est bon, on l'a perdu pour de bon parce que je ris, je suis de bonne humeur, je suis bien. Et c'est la chose, c'est le plus important. C'est le plus important. Parce que quand vous rayonnez, ben, vous allez, les autres vont se moquer de vous. Gentiment, ils vont se dire, regarde, ça y est, elle a vrillé, c'est bon. Mais finalement, qu'est-ce que vous faites? Vous leur envoyez votre joie, donc forcément ils sont heureux. C'est logique, ils sont heureux de vous voir heureux et puis du coup bah, ils sont heureux aussi et ça fait boule de neige. Donc voilà les trois façons que j'ai moi de faire monter. Bon, j'en ai d'autres, mais j'ai la prière aussi, la méditation, etc. Mais celle-ci, c'est pour moi celle qui fonctionne le mieux. Pas de négatif, éliminé. Arrêtez. Accrochez-vous au positif, tout ce qui est bon, parce que derrière chaque mauvaise chose, il y en a une bonne, donc accrochez-vous aux bonnes choses et faites-vous plaisir, bougez votre corps, dansez, même chez vous, même si vous avez un 30 mètres carrés, un appartement, un 30 mètres carrés, personne ne vous empêche de mettre de la musique. Et si les voisins ne veulent pas te déranger par votre musique, vous mettez votre casque et allez, on se fait une partie de Zumba ou une partie de danse. Dans ce Texan ou peu importe, et allez, ce qu'il faut, c'est bouger le corps pour nettoyer toutes ces cochonneries, pour nettoyer tout et que la lumière soit. Voilà, et ben n'hésitez pas si cette vidéo vous a plu, partagez. N'oubliez pas de laisser vos commentaires en dessous. Si vous avez des questions, si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas. Je peux vous apporter ma modeste contribution parce que je suis moi aussi sur ma nouvelle étape. Donc, je partage avec vous ce que moi je vis. Et si ce que moi je vis, ça peut vous aider, c'est avec un grand bonheur et un grand plaisir que ben, je partage tout simplement de tout mon cœur et de cœur à cœur avec vous.